Coucou tout le monde. Alors, je ne vous ai pas face caméra parce que, a priori, quand je filme, je ne peux pas retourner l'image. Donc, je vous ai mis en direct comme ça. Je vous fais un petit coucou. Ça fait longtemps que je vous ai donné des nouvelles. Donc, je viens vous montrer un petit peu l'avancement dans ma pièce qui a déjà bien avancé. Donc, tous les murs sont couleur claire, blanc orchidée. On a remonté, enfin j'ai remis les planches ce matin du placard, donc cet après-midi je vais essayer de re-remplir mon parquet, mon placard. On a fait du parquet parce que le carrelage bleu, mon mari n'aimait plus, donc il en avait marre, donc il a voulu faire du parquet. Donc on a fait du parquet. Et puis attention, je vais vous montrer, je vous préviens, c'est le bazar. Donc je vous montre mon bureau. Donc du coup, je me suis installée devant la fenêtre pour avoir plus de clarté. Il y a très longtemps, j'étais de ce côté-là et c'est vrai que je me sentais bien du côté fenêtre. J'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit que je perdais du rangement sur les murs à cause de la fenêtre et sur mon bureau parce qu'il faut que je laisse pour pouvoir ouvrir. Mais du coup, je me suis dit non, je me sens quand même bien au niveau de la fenêtre, donc je fais comme ça. Donc là, c'est un peu le bazar parce que pour le moment, je ne raccroche rien au mur parce que je veux pas, avec mon mari, on ne veut pas refaire 36 trous au mur. Donc avec son aide, on va faire des étagères sur mesure et une en angle ici, de façon à faire que des trous en haut et avoir des étagères qui viennent quasi... Il a perdu la netteté, je ne sais pas comment le reprendre. Quasi à peu près, peut-être au niveau du bouton ou un petit peu en dessous, je ne sais pas, je verrai. Donc voilà, donc ça c'est mon bureau. Bureau, je ne sais pas si je vous l'avais dit, c'est un bureau que mon mari, enfin au niveau de son boulot, il se débarrassait. Et comme il s'en débarrassait de plusieurs, on a eu la chance d'en récupérer un deuxième. Donc voici un grand espace. Donc tout ça, c'est mon espace à moi. Ce petit coin ici, bon, il y a des choses encore à moi parce que je vous dis, il faut que je puisse faire mes étagères et mettre après tout sur mes étagères. Mais ce petit espace-là, ce sera celui de Noé. Voilà, ce sera son petit espace. Donc, je lui ai mis tous ces petits stickers, tout que vous lui envoyez dans la petite boîte. Là, il a plein de feuilles pour colorier. Il a ses crayons et je vais lui rajouter ses puzzles qu'il les ait aussi sous la main. Voilà, donc ça, c'est son espace. Donc, bon, là, il y a encore un petit peu de bazar à moi, mais bon, voilà. Faut le temps de tout ranger, envoyer. J'ai encore des cartons là. Et ce petit coin-là, ce sera juste un petit coin administratif pour faire mon administratif, puisqu'avant je faisais ça dans ma salle. Et voilà, j'aurai enfin un petit coin rangement avec l'ordinateur posé là. Parce qu'avant, l'ordinateur portable se trimballait un peu partout. Donc voilà, voilà les nouvelles. Quoi vous dire plus? Je suis en train de monter sur les... Sur les plaintes, donc oui, donc on n'a pas encore tout à fait terminé. Il reste juste de ce côté-là les plaintes ici, enfin dans le placard, on va pas en faire. À terminer ici, j'ai ici encore une couche de peinture à faire parce que j'en ai mis deux, mais je trouve qu'on voit encore la peinture en dessous, donc je vais refaire une troisième couche sur les montants de la porte. La porte, faut qu'elle soit rabotée et repeinte, donc ça, j'attends de déblayer. De ramener un peu mes affaires par ici pour avoir un peu plus de place dans le garage. Parce que j'ai encore tout ça à remplir. J'ai encore des cartons au garage. Donc voilà. Voilà, voilà. Voilà. Donc vous voyez, il y a encore, j'ai coulé aussi des cartons là-dessous pour les prendre au fur et à mesure. Voilà mon bordel. Mais hâte de m'y remettre parce que là, ça commence à me manquer. Donc hâte de retrouver mes affaires. Et puis en attendant que je fasse les étagères, parce que je pense que ça ne va pas être fait, ce sera fait. Je pense qu'on s'y mettra qu'après les vacances. Donc peut-être que ça rebougera en fonction de ce que je trouve le plus fonctionnel pour moi. Il faut que je reprenne
Mes repères, voilà. Donc, bah, ça m'embête parce que je ne peux pas retourner cet écran vers moi. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que sur mon ancien téléphone, je pouvais. Donc, sur ce, je vais vous laisser là. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!